Chers artisans de la construction et de la rénovation, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la coulée de béton par temps chaud. La chaleur peut représenter un défi sérieux pour la construction. Cependant, avec les bonnes connaissances, vous surmonterez cette épreuve avec brio. Premier conseil, travaillez tôt le matin ou tard le soir. À ces moments, la température est plus basse, favorisant une prise plus uniforme du béton. Planifiez votre coulée principale pendant les périodes fraîches de la journée pour éviter le séchage rapide et l'apparition de fissures. Deuxième point important, la composition correcte du mélange. Ajoutez de l'eau refroidie ou de la glace dans le béton. Cela aidera à abaisser la température du mélange, empêchant une prise prématurée. Utilisez des adjuvants spécifiques pour ralentir le processus de durcissement. Troisièmement, humectez le coffrage. Arrosez-le d'eau avant la coulée pour éviter une absorption rapide de l'humidité du béton. Cela est particulièrement important avec le coffrage en polystyrène ou en mousse de polystyrène, qui possède une faible conductivité thermique et aide à maintenir l'humidité dans le mélange. N'oubliez pas les mesures de protection après la coulée. Couvrez les surfaces bétonnées avec des tissus humides ou des films pour empêcher une évaporation rapide de l'eau. Arrosez-les régulièrement pendant les premiers jours. Cela conservera l'humidité et assurera une bonne prise. Pour inspiration, en 2018, l'entreprise XYZ a coulé avec succès du béton à une température de plus 35 degrés Celsius en utilisant ces techniques. Leur projet, un immense centre commercial à Marseille, est devenu un exemple de la façon dont les bonnes méthodes peuvent aboutir à d'excellents résultats, même dans des conditions extrêmes. La construction est un art qui demande patience et savoir-faire. Souvenez-vous que chaque étape compte pour obtenir un excellent résultat. Avec ces conseils, vous pourrez couler du béton en toute confiance par temps chaud. À bientôt, chers amis.